Et donc heureux. Alors souvenons-nous, nous étions donc en train d'essayer de faire démarrer. Parce que oui, entre temps, il y a eu quelques petits crashs dû à je ne sais quelle instabilité de merde. Du fait que. Je ne cherchais pas à comprendre qu'en gros. Mais c'est pas grave, essayons de la laisser la mémoire s'initialiser. Donc soit frappe ce qui bug, je ne sais pas. Ça m'étonnerait, mais bon. Mais donc. Voilà, nous étions donc dans un monde paumé, avec un sol de cendres, probablement des figurants de nuit et brouillard, avec des anges buggés, des bestioles étranges, tout ce bordel, des anges qui se prenaient pour des miniguns, des goulooms partout qui traînent sur les murs, des FPS qui se cassent la gueule tout le temps. Non, c'était pas encore ça la première question. Nous sommes quand même à la session Pro 4, si je me souviens bien. Parce que oui, en fait, j'ai finalement dû pré-découper. J'ai finalement dû effectuer un découpage supplémentaire en raison du fait que, eh bien, frappe ce film avec une qualité en fait beaucoup plus élevée que prévu. Et de ce fait-là, ça... Ça a du fin de match de départ. Oh, bordel. Le proco qui est en PLS, quoi, en gros, ça veut dire tout ça. C'est rien d'autre, c'est mon pros qui fait de la merde. Prions pour qu'il tienne un peu mieux le coup, quand même, parce que... Voilà. Bon. Souvenons-nous, on avait buté l'ange de ce côté... Voilà. Drop de FPS, encore une fois. Ouf. J'espère pour les autres joueurs quand même que les mises à jour futures permettront d'optimiser mieux le DLC parce que là il est un peu gourmand. Ouf, les drops ils font mal, n'empêche. Hein. Face à 10 FPS des fois ça. Ouh. Oh. Je passe plus les 30. Alors dans le reste du jeu, j'étais quand même. Dans le reste du jeu, je suis à 50 facilement. Là, je suis. Ouf. Ah non, mais ça met le pros en PLS tout ça, c'est... Non, c'est pas bon ça. Fait du meilleur travail, développeur, là, c'est... Non. Donc faut que je fasse attention, parce que si mes FPS sont en dessous de 10, le jeu nous fait la bonne blague de redémarrer. La bonne grosse blague, vous savez. Le coût des FPS insuffisant et du fait qu'il faut redémarrer le jeu. Parce qu'il est pas foutu de passer en mode hors ligne, en fait, sans redémarrer. Bon, je sais quelle raison, d'ailleurs, parce que Dark Souls 2 y arrivait, mais le 3 n'est pas capable. C'est un défaut par contre que je reproche au 3 ça. C'est le fait que quand les FPS sont trop bas, au lieu de passer directement hors ligne en fait, tout simple, et ben il a besoin de redémarrer. Alors que le 2 n'avait pas besoin de redémarrer. Le 2 faisait direct. Le 3 a besoin, c'est. J'ai l'impression qu'en fait il est coutume dans ce monde quand les développeurs trouvent un bon truc de ne pas le refaire. Oula. Ah oui, il passe dans le tronc le mec. C'est pas mal. J'avoue, t'as du talent. Tu pourrais passer dans nos régions du talent, quoi. Voilà, ce sera quoi le talent, pardon. Région du talent, ça c'est une marque. Oui. Ne saoule pas le monde, ta carcasse, voilà, merci. Rien que ça, ouais, rien que ça. Bon, alors attention. Oui, je me balance. Non, la petite course là, attention. Courons dans la bouillasse. Foutons les pieds dans la merde. Mon hobby préféré, ça. Attention, ça réactualise. Pff, les FPS qui drop.
Dropons des FPS ensemble, allons-y. Ceci est une production From Software. Voilà. Mais il est vrai que par contre ils auraient pu quand même proposer une plus large gamme de graphismes en fait. Quitte à créer une gamme au rabais en fait pour les PC qui sont un peu dans la merde. Parce que bon après si ils ont peut-être pas forcément le temps d'optimiser par rapport au délai à tenir, mais dans ce cas-là, il aurait été plus simple qu'ils créent en fait une gamme de. Une gamme de textures pourries quoi en fait au final. Pour les PC qui sont merdeux. Parce que bon, quand on a qu'un pauvre quad core, quoi, qu'on n'a pas encore un autre cœur, parce qu'on n'a pas les 1000 et quelques, je crois, à foutre dans un processeur. Avant que ce soit 800 qu'ils aient modifié le prix. Bon, oula. Attention les enfants. Bon, là. Oula. Vieux salaud, merci. Allez. Et là, attention, les gouloums arrivent. Donc là, ce qu'on fait, c'est l'attaque. On s'arrange pour qu'on ait un qui nous rejoigne directement. Et normalement, il se passe des choses. Gollum arrive. Voilà. Bon, écoute, eh bien, écoute, gaspille ton venin. Voilà. Elle n'est pas morte. Et écoutez les amis, ceci est assez inhabituel. Bon, tant pis, pas grave. Hein, on va la foutre en PLS. Si son IA est pas trop mal codée, elle va revenir. N'est-ce pas? Au pire, on va aller chercher que le toit de le truc et puis on va. Bon, parce que le problème, c'est que on la pourrit pas maintenant, en fait, elle nous fera chier à chaque aller-retour. Donc autant s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et puis au moins. Surtout que là, on a du bol, on n'a pas eu de gros coups spécifiques bien chiants, quoi. On a. Tout s'est passé entre guillemets normalement. Qu'on m'explique des choses là parce que je suis un peu confus, j'ai pas tout compris là. Je suis un enfant un peu retardé. Bon bah. Bon, impossible à retrouver, tant pis, on va faire 100 et puis voilà. On ira à démolir plus tard, tant pis. Hein. On économise des ressources. Pour le court terme. Par contre, pour le long terme, on sera dans la merde. Parce qu'on la retrouve là, qu'on peut la flinguer de loin là, mais. Gloom numéro 2 déjà qui s'est perdu. On va écouter les amis, hein. Miss Fouet là, c'est perdu. Hein. La maîtresse masochiste du coin, c'est perdu. Donc, on la laisse crever. Enfin, elle crèvera pas parce que, bon, normalement, le jeu ne crève pas les mobs. Que
c'est que c'est cette couille là? Constitution en vue. Que voulez-vous dire? Allez! Une capuche, ou encore les capuches de la mage, quoi. Pas de constitution, vous voulez dire qu'il y aura du. Les bras me salir. Ouais. Attendez, on va réfléchir 5 minutes. Faisons un test déjà. Alors on mettait bien les tirs. Ça peut aller. Voilà, ça peut aller. Je cherche pas à comprendre. Voilà, ok. Bon, je vous dis, des fois le jeu jusqu'au bout en fait. Tout était là pour en fait quelque chose de tellement plus chiant, puis on. Par contre, c'est le nouveau quoi. Par contre, ça c'est la nouveauté quand même. Le côté on s'amortit tout ça, mais putain, je m'y attendais vraiment pas à ce merdier quoi. C'était vraiment. Les FPS. Ok. Le drop à 5, putain, on a de la chance, ça part démarrer. Allez-y. Vous ne risquez rien. Si, je risque une chose, c'est que le jour démarre là, parce que vu le drop là, c'est. Mais si, je risque une chose là, mon PC risque cher là. PC n'est pas, enfin voilà quoi, c'est par rapport au vieux jeu, en fait au jeu d'avant 2014, il faisait le taf parce que je l'ai eu avant 2014 ce PC. Maintenant, il est passé. Bon. Yolo. Ah, j'ai chié sur la moquette. Allez. Ok. Je ne comprends rien. Les FPS ont disparu. Là, on est à 3 images secondes. Ok. Ce jeu est très bien optimisé. Voyez-vous cela? J'espère que le son n'est pas désynchronisé, parce que là on est véritablement à moins d'une image seconde. Le joueur démarré. Voilà. Fortiche. Ce jeu est d'un niveau de merdier en fait. Voilà. Le jeu qui vous fout en PLS ce processeur, quoi. C'est vraiment, mais c'est.
savoir comment ils s'y sont pris, en fait. Honnêtement, je sais pas. Le reste du jeu était passé nickel. Putain, le jeu, la PLS, quoi. Là, quand même, on a du niveau. Alors, je ne sais pas si c'est le processeur qui a une surcharge là ou si c'est le. Si c'est le jeu qui est vraiment fait avec le cul là, mais quand même. Je vais laisser le temps de charger quand même. Alors bon, on va retenter le redémarrage là, enfin de relancer, de retourner sur la partie là, comme ça. Et là, on espère que ce merdier ne fout pas tout en l'air à nouveau. On va espérer se retrouver qu'un nombre de FPS potable, quoi, parce qu'on était descendu en dessous de 1 quand même, hein, en dessous d'une image seconde. Alors que tout le reste du jeu auparavant se passait bien. Hein. Tout le reste du jeu, bon, jusqu'à. Jusqu'au fait en fait d'utiliser frappes en même temps.